Bonjour, ici GeekTech et bienvenue dans cette première vidéo pendant le confinement. Je dis la première car je ne sais pas combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, on a une imprimante 3D et avouons-le, il y a beaucoup de choses inutiles que vous pourriez acheter pour 99$ en ce moment. Alors, aujourd'hui, on a cette fameuse imprimante 3D de chez AZ3D venue de Chine. Ne vous inquiétez pas, ils sont situés à Shenzhen. Et donc, on va l'essayer. La question est, cela fonctionne-t-il réellement ? Vaut-il 99$ ? Et surtout, est-ce qu'elle mérite d'être appelée une imprimante 3D ? Vous devriez rester pour le savoir, mais surtout garder un esprit ouvert pour cette vidéo, surtout jusqu'à la fin. Mais avant d'aller plus loin, une surprise vous attend à la fin de cette vidéo, alors je vous demande d'exploser le bouton « J'aime » à fond. Alors, la boîte de l'imprimante 3D est assez petite et bien emballée. À l'intérieur, vous trouverez un échantillon de fil, un câble USB, le câble d'alimentation et une carte micro SD, ainsi que les instructions et un exemplaire d'impression. Il contient également quelques longues vis et écrous, un tournevis et le petit porte-bobine de l'imprimante. L'imprimante arrive avec trois pièces qui sont tous câblées dès le départ, composées à la base avec une plaque de construction magnétique amovible, le portique et le boîtier de commande. Vous allez également trouver une boîte d'alimentation et un câble USB. Le processus d'assemblage consiste à exécuter le câble débranché uniquement à travers un trou faisant glisser le portique en place. Serrez deux longues vis avec des écrous pour le fixer en place et connecter le moteur pas à pas sur le Z-axis. Le boîtier de commande a quatre boutons, un bouton d'accueil qui abrite uniquement le Z-axis, un bouton moins et plus qui contrôle la charge et charge le fonctionnement du filament, et un bouton de lecture qui sert de début et de pause. Pour l'impression, en appuyant sur le signe plus, la machine commencera à chauffer à l'extrémité. Maintenant, tout en chauffant, elle commencera à clignoter rapidement et une fois qu'il aura atteint la température idéale, le clignotement ralentit et l'extracteur commence à pousser le filament. Bien sûr, il ne faut pas oublier la carte SD et d'appuyer sur Play. J'ai été vraiment surpris car elle a commencé à imprimer beaucoup mieux que prévu. Mais honnêtement, après l'avoir eu, je ne m'attendais pas à un résultat pareil. Sinon, j'ai été très soi-disant surpris de la carte micro SD qui contenait une copie de plusieurs échantillons qui effectivement permet l'impression de plusieurs modèles pour commencer à tester au début. Et à première vue, je ne cherchais pas vraiment une bonne qualité d'impression, en particulier parce qu'il n'a pas de ventilateur de refroidissement. Mais finalement, elle a imprimé assez bien. Maintenant, l'inconvénient est de ne pas avoir une partie ventilateur. Cela ne permet pas la finition d'impression. Revenons à la carte SD. Lorsque vous déposez un fichier sur la carte SD, vous le placez simplement dans le répertoire principal G-Code que vous insérez dans l'imprimante. Et ainsi l'imprimante sait quoi faire par la suite. Encore une fois, elle a imprimé et sans toucher aux paramètres d'impression. Maintenant, si vous suivez jusqu'ici et vous êtes intrigué par cette imprimante, car à 99$, cette petite machine reste très amusante. Le boîtier de commande contient une carte mère. J'ai initialement pensé que c'était un grand tableau technologique, mais je sais que la carte est réellement utilisée sur de plus grandes imprimantes 3D, parce que celle-ci est une version réduite. En fait, après vérification, elle a un emplacement pour une extension Wi-Fi, mais surtout un connecteur pour le ventilateur de refroidissement. Donc, pour les bidouilleurs, vous pouvez les ajouter. Mais surtout, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une imprimante 3D pas chère, qui ne fonctionne pas seulement, mais ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est avéré tellement mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai décidé de lancer une impression plus complexe, sachant que la vitesse d'impression n'est pas plus de 30 mm par seconde. Donc, elle sera lente, ce qui est attendu comme structure de l'imprimante, car les composants ne permettent pas des vitesses plus élevées. Après plus de 50% d'impression, l'imprimante a eu un décalage au niveau de l'impression et a commencé à faire n'importe quoi. Honnêtement, je ne sais pas si cela est dû au modèle 3D ou à l'imprimante. Mais comme l'échantillon du filament n'est pas assez lent, je n'ai pas eu la possibilité de faire plusieurs tests. En même temps, après plusieurs tests intensifs pour voir
comment ça se passe, hein, l'impression avec plus de résultats. L'imprimante était plus impressionnante compte tenu des profils qui nécessitent un peu plus de travail, encore plus que la normale, parce que vous connaissez le système de moteur pas à pas qui fonctionne de façon dans l'extrémité chaude pour imprimer, puisque 2 sur 3 tests ont été imprimés avec succès. Cela dit, ça reste un produit sans doute meilleur que si vous prenez un stylo 3D, cette imprimante reste plus efficace. Une chose très importante pour cette imprimante, puisque elle pourrait certainement viser également les enfants ou la jeune génération, la sécurité doit donc être primordiale. C'est pour cela que l'imprimante a une sorte de dispositif de sécurité qui coupe l'alimentation à l'extrémité chaude lorsque la thermistance ne lit pas correctement la température. Ce qui est une bonne chose, il empêche également l'extracteur de filaments de tourner une fois que la thermistance est rebranchée et que la température monte et le moteur commence à tourner à nouveau. Maintenant, si cela se débranche, si un défaut d'impression se produit, l'extrémité chaude refroidit à nouveau, l'extracteur cesse de tourner, mais l'imprimante poursuit son mouvement d'impression sans réellement extraire. Je suis heureux de voir que certaines caractéristiques de sécurité adéquates sont présentes. Il faut dire, quand j'ai reçu cette imprimante, honnêtement, je ne pensais pas que j'allais faire une vidéo dessus avec toutes ces informations. Personnellement, j'ai été impressionné et j'aime vraiment cette machine. Je vous partagerai des photos de ce que je vais pouvoir tester comme impression. Vous pourriez me dire ce que vous en pensez. Mais tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter une imprimante 3D avec un prix très élevé. Tout le monde ne veut pas dépenser plus de 100$ dans un produit. Mais avec cette imprimante, vous allez pouvoir débuter dans l'impression 3D avec le moindre coût possible. En fin de compte, vous pouvez vous permettre de l'offrir, même comme cadeau. Cette machine ouvre les possibilités pour ceux qui veulent mettre la main dans la pâte dans l'impression 3D. On va dire que c'est un produit d'initiation en quelques semaines, sinon quelques jours. Maintenant, le plus important, si vous voulez donner cela à vos enfants, vous copiez simplement un modèle pour le mettre sur la carte SD et leur donner. Tout ce qu'ils ont à faire est d'insérer simplement la carte dans l'imprimante 3D. Donc, j'approuve sans hésiter et ça me fait vraiment exciter pour l'avenir parce que vous pouvez imaginer dans un an ce que nous pourrons obtenir en termes de 3D. On commence même actuellement à construire des bâtiments avec l'impression 3D, donc vous imaginez. Finalement, la capacité d'impression pour ce prix reste excellente. C'est un autre segment du marché qui peut être rempli et peut être encore développé au niveau d'une communauté. Donc, si vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Je vais laisser un lien dans la description de la vidéo de Lasertree X1, au cas où vous seriez intéressé et voudriez plus d'informations. Comme toujours, assurez-vous de liker, partager et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon confinement, restez chez vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ah, j'ai oublié. Alors, avant de terminer, j'ai une petite surprise pour vous. On est arrivé à 10 000 abonnés. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui s'intéressent à la chaîne de loin ou de près. Et pour cette occasion, je vais pouvoir vous déclencher un concours pour gagner cette imprimante 3D. Pour cela, il faut juste que cette vidéo atteigne les 1000 likes, rien de compliqué. Alors n'hésitez pas de liker et de partager avec vos amis afin que je puisse déclencher pour vous ce concours. Donc, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, ainsi que vos familles. Encore une fois, ciao.